Cher Gordon, mon frère, je te cherche depuis plus de 20 ans. Je ne peux imaginer ton quotidien sans domicile, ta vie dans les rues de Miami. Sache que tu es le bienvenu ici, même s'il fait très froid. Il y a une tempête de neige. J'ai gardé toutes les lettres et les photos que tu m'as envoyées. J'ai montré à mes trois enfants qui est Oncle Gordon. J'espère que je te manque autant que tu me manques et qu'on parviendra à se retrouver, je l'espère très vite. Je t'aime, signé ta sœur, Stéphanie. Stéphanie est prête à offrir un toit à son frère, une famille. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. À Miami, les nouvelles ne sont pas bonnes. Gabi n'a pas croisé Gordon depuis plusieurs maraudes, et ça n'était jamais arrivé. Elle n'a même pas pu lui dire que sa sœur a été retrouvée. Ce soir, elle espère encore le voir. Est-ce que quelqu'un a vu Gordon ? Le vieux monsieur ? Oui, le vieux monsieur, on le cherche. La dernière fois qu'il est venu ici, c'était le mois dernier. On ne l'a pas revu depuis. Tous les mardis, j'espère le trouver là. J'ai aussi cherché sous les ponts, partout où il a l'habitude d'aller, mais rien. Si tu le croises, tu peux lui dire que j'aimerais le voir. Tu sais que quand je cherche quelqu'un comme ça, c'est toujours pour une bonne nouvelle. Gordon est peut-être à l'hôpital, mais sans papier d'identité, personne n'a pu le confirmer. Ou alors, a-t-il changé d'avis ? Dans 20% des cas, le choc des retrouvailles est insurmontable. Gabi doit maintenant l'annoncer à Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, ça va ? Oui, et vous ? Ça va, mais malheureusement, on ne parvient pas à trouver Gordon. Vraiment ? Oh non, j'espère qu'il a envie de nous revoir autant que nous. C'est lui qui a fait la démarche pour vous retrouver. Le plus dur a été fait. Il a repris contact. Il a expliqué sa situation. Ça a été dur pour lui et ça lui a demandé beaucoup de courage. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. On se reparle très vite, ok ? On va le retrouver, j'en suis sûre et certaine. Le message a été délivré à sa famille. Et quand on le trouvera, il saura qu'il est aimé, qu'il manque à tout le monde. C'est juste un peu difficile parce que sa sœur est dans l'attente. Chaque jour, chaque nuit, elle attend encore et encore. Ça peut prendre du temps. Oui, ça peut être long. Ça demande du temps d'assimiler leur histoire et qu'ils acceptent de se livrer. Deux semaines plus tard, Gabi a finalement retrouvé Gordon. Il était hospitalisé pour un infarctus à 2 heures de route de Miami. Il a appelé sa sœur, Stéphanie. Un premier contact. Mais il ne souhaite pas encore vivre avec elle. Gabi ne perd pas espoir. Elle sait que cette décision peut prendre du temps.